HEM. I have a passion for Hondas. It started at the age of 18. My brother actually had a CRX VTEC and I only had a small scooter, and I saw him driving a VTEC. I felt the VTEC and I was sold immediately. I did Time Attack in 2019. I brought my Jax replica Civic EG. The biggest modifications that we actually did to the car was safe weight. All glass windows are out, everything is Lexan. A lot of wiring has been cut because it's a track car. It's going to be used for Time Attack and stuff like that. So the main focus was saving weights and the mechanical grip of the car. So the suspension has all been custom built. So first we want to see if the mechanical grip is at its limit. And if it's at its limit, then we'll build the engine. And then we can see if the car will be any faster than that. Propriétaire d'une Honda Civic AG 53. Cette Honda Civic, elle a une histoire un petit peu particulière puisqu'elle était exposée juste ici au Show & Shine la première fois que je l'ai vue. Moi, ce que j'adore sur cette voiture, c'est qu'elle a un châssis qui est extrêmement rigide. Son côté vraiment très classique car en fait, le back to 80s. J'ai même poussé le vis jusqu'à ne pas changer les enceintes, etc. de la voiture pour garder vraiment la sonorité audio du poste d'origine, quoi. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment cet intérieur très épuré. Le tableau de bord aussi, qui est vraiment très longiligne, un peu à la manière de la Honda i actuelle. Ce qui me plaît de venir ici, c'est que ça reste assez, entre guillemets, familial. Ce qui est quand même sympa, c'est que bien qu'on soit sur un meeting monomarque, chacun a sa personnalité, sa personnalisation différente. T'as des mecs qui viennent avec des baies moteurs complètement swappés sur lesquels ils ont rajouté un turbo, puis d'autres qui au contraire ont tout mis dans le châssis avec une bagnole stance, avec les jantes comme ça. Le site est juste magnifique. It's so much fun just to walk around, talk to people, see the cars, go to the track, race your car. There's not many events that actually have that vibe. I guess you better wake up. Actuelle, c'est une Civic Type RF K2. Je l'ai eu entièrement d'origine. Les améliorations sont là pour un côté vraiment piste. C'est ma voiture que j'utilise que pour ça. Donc avec amélioration au freinage, pour refroidir les étriers, isoler les plaquettes, etc. Un petit peu de châssis, surtout du refroidissement. Toute la partie échangeur, isoler thermiquement les conduits d'eau. Vraiment pour limiter la chauffe un maximum. Qui plus est, quand on commence à mettre des cartographies, ça chauffe plus. Donc il faut vraiment travailler sur ça. Je roule en Honda depuis 2011. C'est vraiment le côté fiabilité, le côté performance et le côté aussi accessible et un peu la communauté qu'il y a aussi autour. Une
stabilité derrière Honda que je ne retrouve nulle part ailleurs et c'est ce que j'aime chez eux. Je pense que ma passion chez Honda est venue à partir d'un jeune âge où je suis tombée amoureuse de l'esthétique des Civic en général. Et par chance, j'ai pu rencontrer mon copain et on a pu faire cette passion à deux. C'est un modèle EK3 de 96 et qu'on a swap en D16Y3 du coup et qu'on a monté en turbo. On souffle à 0,5 bar et on sort à peu près entre 200 et 220 chevaux. Des jantes un peu plus larges aussi pour que ça puisse suivre malgré le turbo et tout un camber kit par anti-rapprochement. On a refait aussi l'intérieur avec de la soie de chez Hermès. On avait passé en siège baquet, j'ai fait faire sur mesure un volant chez Grip Royal aux États-Unis que j'ai fait repeindre à la couleur de la voiture. Le Honda Eurymythe, je pense que c'est le rasso que j'attends vraiment toute l'année, principalement pour voir les nouveaux projets, pour partager le mien, pour pouvoir m'inspirer, retrouver les copains et juste me libérer. C'est vraiment un très bon rasso qui offre des opportunités à tout le monde, qui permet de rencontrer des gens exceptionnels, des projets vraiment incroyables. Commencé il y a une bonne quarantaine d'années, ma passion pour cette marque. J'étais aussi un fan aficionados d'Ayrton Senna, qui a d'ailleurs été la raison pour laquelle j'ai souhaité un jour travailler pour Honda France, puisque je me disais qu'en travaillant pour Honda, j'allais pouvoir un jour croiser Ayrton Senna sur les circuits, ce qui s'est produit d'ailleurs. J'ai travaillé pour Honda pendant une trentaine d'années, Honda France, Honda Motor Europe en Angleterre, j'ai travaillé pour le sud de l'Europe aussi, un petit peu aussi pour le Japon d'ailleurs directement, voilà, puisque ma formation initiale est une formation de motoriste. Alors la NSX en fait, pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que je suis piqué Honda. Quand on a une NSX, c'est l'exclusivité technologique pour l'époque, puisque c'était la toute première voiture toute en aluminium, quoi, qui d'ailleurs battait les Ferrari 348, qui était le modèle Ferrari qui sortait en même temps que la NSX. Pour les jeunes qui n'étaient peut-être pas nés encore, la NSX a brillé en 1995 puisqu'un trio de pilotes japonais ont gagné la catégorie GT2 avec une NSX. Donc la NSX a aussi une histoire en course puisqu'elle a brillé aux 24 heures du Mans. My love for the Honda brand started in 1987 when my parents first bought their very first Honda Accord, and I was blown away at the technology of the Honda Accord, the features it offered. So starting in 1994, when it was time for me to buy my first new car, I bought a 1994 Honda Accord EXL Coupe 5-speed, and it was a dream car for me. It was absolutely amazing. And I told everyone about the car, and I kept going back to the dealership that I bought the car in Schaumburg, telling them all about the car, all the new things I learned. And they just kept saying, well, if you love the brand so much, why don't you come work for us? So I tried it for a summer. I ended up spending over 20 years at the same dealership selling Hondas. It was amazing, because then I could share my love, my passion, and everything I knew about the vehicles with everybody. One of the many things I love about Honda is they're an engineering company. They're not out to sell the most cars in the world. They're out to make vehicles and products that people need in their lives. And that's what's different about them. I just love Honda Eurymythe that you have so much cars, so much people, the camping site, and you have a track nearby. Ça s'est vraiment énormément développé, c'est vraiment bien. Et ça ira loin. D'ailleurs, on le voit en 2013-2014, de l'autre côté, il y avait quand même beaucoup moins de voitures. Et là, aujourd'hui, c'est quand même vachement mieux. So I want to thank you guys very much, especially here in Europe and in France.
You guys are absolutely amazing. Je suis assez surpris de constater que dans cette Europe, il y a encore énormément de jeunes qui sont passionnés par cette marque. C'est aussi une sorte d'expression de la liberté qui représente bien Monsieur Soichiro Honda, en fait.